Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de ce J-30 avant l'UTMB 2021. Aujourd'hui vendredi 13, euh, 13 août du coup, et on est à 14 jours, donc deux semaines tout juste de la course. C'est parti Et aujourd'hui, on va se pencher sur l'après UTMB. Alors, on n'a pas encore couru, mais on y pense déjà à l'après. Et je voulais vous parler des courses euh, que je voudrais faire après. Euh, et donc, il y a deux types de courses, en gros, que j'aimerais faire après. En tout cas, je les ai regroupées en deux catégories. Les courses qui sont plutôt les courses de rêve, les choses où bah, c'est un peu comme UTMB, il va falloir du temps pour s'y préparer, de l'argent aussi, enfin pas mal de choses. Donc ça, j'y reviendrai dans un deuxième temps. Et puis euh, l'autre catégorie, c'est les courses qui sont plus accessibles, euh, qui sont déjà peut-être plus proches, qui sont peut-être moins chères, qui sont peut-être moins longues, euh, et que j'ai pas faites jusque-là pour plusieurs raisons. Alors, les différentes raisons, on va les évoquer, mais il y en a une grande importante, c'est que jusqu'alors, je faisais beaucoup de courses qui étaient qualificatives UTMB. Euh, et pour le coup, je pense que toutes les courses ne sont... Enfin, je sais sûr, les courses ne sont pas toutes pour l'UTMB. Elles le seront encore moins euh, à partir de 2022-2023. Bref, euh, il y a plein de courses que je n'ai jamais faites parce que tout simplement elles ne rapportaient pas de points euh, pour la qualification UTMB. Donc, les courses, euh, on va dire, accessibles que j'aimerais faire dans les années assez euh, proches à venir en tout cas, eh ben, j'aimerais bien faire une course par étapes. Euh, alors, une course type UT4M et par étapes en montagne. Donc voilà, UT4M, challenge, ça me plairait pas mal. Euh, une course comme il devait se créer l'Ouréa euh, sur euh, les hauteurs de Morzine-Avoria, je crois, qui je crois n'aura pas lieu finalement. Ou une course comme le Trail, Trail de France ou Trail en France, qui pareil devait avoir lieu en 2020, n'a pas eu lieu, aura eu lieu ou a eu lieu cette année, je ne sais plus. Donc voilà, une course par étape, où il y a une course par jour, ça ça me ferait vraiment plaisir de faire ça. Le problème, c'est qu'il bah, faut poser une semaine de congé juste pour ça. Et que bah, fatalement, quand on a 5 semaines, 6 semaines de congé par an, bah, on aime bien aussi les passer euh, en famille euh, à faire euh, la crêpe sur la plage, en tout cas pour moi. Donc voilà, euh, ça dépend de, de pas mal de choses. Il faut pouvoir poser des jours pour aller courir. D'autres courses que j'aimerais bien faire, la première, celle qui me vient tout de suite en tête, euh, alors elle n'est pas forcément très connue, c'est la montagnarde. Euh, donc c'est en gros 110 km. Pourquoi j'aimerais la faire et pourquoi je ne l'ai pas faite Je l'ai pas faite parce qu'elle n'était pas qualificative UTMB, en tout cas quand j'ai voulu la faire. Il paraît qu'elle est très dure. Et euh, pourquoi j'ai envie de la faire bah Parce qu'elle part de Saint-Nicolas-de-Véros en Haute-Savoie, elle passe sur les hauteurs des contamines de Saint-Gervais et c'est euh, là où j'allais beaucoup en vacances quand j'étais petit, en tout cas l'hiver, parfois aussi l'été, pour faire du ski donc. C'est un coin qui me tient vraiment à cœur, j'aimerais vraiment faire cette course-là. Je sais qu'elle est très belle, elle est dure, montagnarde, mais voilà, j'aimerais vraiment euh, faire cette course. Ensuite, il y en a une que j'aimerais bien faire, mais voilà, un autre ultra, un 100 miles. L'avantage de l'UTMB, c'est que dans ma tête, peut-être, mais euh, ça débloquera le, 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 le compteur de je peux faire des ultras de 100 miles, donc de 170 km, que je me refusais jusqu'alors parce que je voulais que ce soit l'UTMB mon premier. Donc, Fatalement, il y en aura plusieurs qui pourront derrière s'enchaîner alors pas cette année pas tout de suite voilà mais il va falloir les préparer donc l'Ultra 01 XT euh, qui est assez récent mais que, qui donne vraiment envie d'y aller à Oyona. ensuite l'UT-4M bien sûr que j'aimerais faire dans sa version euh, 170 euh, donc voilà les quatre euh, les quatre massifs sur la journée j'aimerais bien aussi les faire en étapes alors peut-être pas faire les, les étapes euh, euh, sur l'UT4M et peut-être faire l'Ouréa, des choses comme ça. Enfin bref, voilà, faire l'UT4M en entier j'aimerais beaucoup. Ensuite euh, j'aimerais faire aussi un trail en Corse. Alors j'ai pas les noms de tous les trails mais il paraît que c'est magnifique, très très dur parce que très technique, mais ça j'aimerais vraiment beaucoup. Donc si vous vous connaissez des courses des ultras entre 100 et 180 km en Corse que vous avez fait, que dont vous avez de bons retours, bah n'hésitez pas à me dire parce que je ne sais pas du tout ce qui peut se faire là-bas. Aussi en off, j'aimerais bien faire le GR20. Avec Manon, on avait aussi euh, l'envie de faire ça sur une semaine. Euh, donc c'est pareil, il faut poser une semaine de congé pour aller faire de la rando ou de la course. Donc c'est encore autre chose. Mais pourquoi pas faire le GR20 aussi en off euh, un de ces jours Une course que j'aimerais beaucoup faire aussi, c'est Belle-Île en Trail. Donc le trail qui fait le tour de Belle-Île, tout simplement parce que je trouve que c'est assez joli. Et puis c'est fun de se dire qu'on a fait. Euh, le tour de l'île, donc voilà, une course que j'aimerais bien faire, qui fait je crois 80-85 km. Une course que j'aimerais bien faire, l'ultra du pas du diable, que je voulais faire en 2019, mais ça tombait à peu près au moment prévu de la naissance de Lena, donc j'ai choisi de ne pas la faire. Donc voilà, c'est un choix personnel. Et la dernière dans ces courses-là, alors il y en a bien d'autres aussi, hein, mais euh, une que j'aimerais bien faire, mais c'est un peu une revanche, c'est l'ultra du beau vert que j'ai pas pu faire. En je sais plus quelle année c'était, mais parce que j'avais fait ma péricardite, donc j'avais pas pu courir. Euh, donc j'aimerais bien y retourner. C'est un 120 ou 110 km euh, qui n'est pas, pas beaucoup de dénivelé, mais voilà, j'aimerais bien y retourner pour, pour finir un peu ce chapitre. Donc voilà pour les courses euh, plus ou moins accessibles. Ensuite, il y a cinq courses qui euh, sont vraiment des courses. Deux rêves, peut-être pas, mais des, des courses qui sont vraiment beaucoup plus grosses, beaucoup plus de préparation, euh, qui me font envie. La première, c'est bien évidemment le grand raid de la Réunion, la diagonale des fous. Là, qu'est-ce qui bloque bah, C'est la technicité, à laquelle je pense que je ne suis pas encore prêt. Le déplacement, parce que ça coûte cher, il faut payer le billet d'avion, il faut payer le logement, etc. Et que pareil, bah, il faut poser euh, quasiment une semaine ou deux. Alors on peut concilier ça avec des vacances sur place, mais voilà, c'est loin, c'est un peu cher, c'est dur. Donc euh, je le ferai, en tout cas j'espère de le faire, mais euh, pas tout de suite, mais voilà, un de ces jours, c'est dans, dans un coin de ma tête. Ensuite, une autre course que j'aimerais beaucoup faire, c'est le Marathon des Sables. Euh, donc c'est une course à étapes qui n'est pas euh, en montagne, mais là pour le coup vraiment, alors je dis pas sans préparation, mais vraiment plus pour le côté humain, rencontre. Et partager quelque chose avec d'autres coureurs du monde entier, de la France entière, ça j'aime vraiment beaucoup le faire. Tout ce que j'en vois me donne vraiment envie d'aller faire cette course qui est très dure, très chère. Pareil, c'est même, la même problématique euh, que pour le Grand Raid, il faut poser des congés, etc. etc. Donc c'est un peu plus compliqué au niveau de l'organisation. Autre chose encore, euh, mais qui là n'est plus du tout dans le domaine du trail, c'est que j'aimerais. Euh, participer un jour au marathon de New York parce que euh, des marathons, voilà, j'en ferai encore d'autres, c'est sûr. Mais je me dis que pourquoi pas aller faire le marathon de New York Pourquoi pas aussi le marathon de Boston Mais vraiment New York, ça a l'air vraiment fou en termes d'ambiance notamment. Donc, j'aimerais beaucoup euh, aller faire ce marathon-là un jour. Pareil, il faut le déplacement, ça coûte cher, il faut poser des congés, etc., etc. Donc, c'est toujours les mêmes problématiques. Il faut s'entraîner, oui, moins qu'un ultra, je pense, mais il faut s'entraîner aussi. Dernier ultra avant autre chose qui n'a rien à voir. Euh, j'aimerais aussi un jour faire le tort des géants. Voilà. Alors pourquoi le tort des géants Parce que tout simplement c'est ah 360 km pour quasi pour plus de 30 000 de dénivelé positif. Euh, parce que c'est la première course que j'ai connue dans ce format là, donc j'aimerais vraiment beaucoup la faire. Euh, pourquoi pas aussi la Swiss Peak, d'autres courses comme ça, mais vraiment le Tour des Géants c'est quelque chose qui, euh, qui m'attire. Pareil, c'est une course qui est très très longue, là pour le coup la course dure... Euh, bah quasiment une semaine, donc il faut pouvoir y aller, s'entraîner, être préparé à ça, donc c'est encore autre chose, mais un jour, alors je ne dis pas que ce sera dans les 5 ans à venir, peut-être ça sera dans 20 ans, j'en sais rien, mais j'aimerais beaucoup faire cette course aussi. Et une dernière chose, qui là n'a rien à voir avec la course sur route, ou presque, et rien à voir vraiment du tout avec le trail, euh, je participerai un jour, c'est sûr, je prendrai le départ en tout cas, d'un Ironman. Peut-être même très vite, alors j'ai pas de date du tout, je sais pas si ce sera l'année prochaine, dans deux ans, dans cinq ans, peu importe, mais j'ai vraiment envie de, de faire euh, ce, cet effort-là. Je passerai peut-être avant par un Alpha Ironman, peut-être par un triathlon euh, distance olympique, j'en sais rien, mais j'ai vraiment envie de goûter à ce, à ce triple effort, comme on l'appelle, euh, sur l'Ironman. Donc euh, voilà, l'Ironman, ça reste euh, peut-être parmi ces cinq euh, courses de rêve, entre guillemets. Celui que je vais faire peut-être en premier euh, et qui m'attire le plus. Alors, ça n'a rien à voir avec l'Ultra Trail, avec le trail, avec le milieu montagne. Mais voilà, ça m'intéresse vraiment euh, beaucoup d'aller tester un peu euh, l'Ironman, le, le triathlon. Il y a un gros problème, c'est qu'il va falloir que j'apprenne à nager longtemps le crawl. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Euh, voilà, je crois que je n'ai rien oublié sur mes courses euh, de rêve, entre guillemets, après l'UTMB. L'UTMB reste pour moi au-dessus de tout dans ma conception de mon activité physique, de mon sport, de mes courses. Donc voilà, s'il y a des courses, des grosses courses auxquelles vous pensez que j'aurais oublié, qui pourraient m'intéresser, ben surtout n'hésitez pas à me le dire. Et nous, on se retrouve demain, demain samedi, on sera à 13 jours de la course, et on parlera une dernière fois de pourquoi j'ai choisi le trail et pas la course sur route, par exemple, avant de se focus complètement sur l'UTMB, mais l'UTMB 2021, mon UTMB, à partir de... Dimanche. Et ben voilà, à demain, et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao.